Il souhaite la bienvenue à Marine Le Pen, celle que certains d'entre eux attendent presque comme le Messie. Ses militants n'ont plus peur de le dire. Pour eux, le Front National, c'est l'avenir. J-4 avant l'arrivée de la présidente du FN dans notre île. Nous sommes dans un restaurant de Saint-Louis. Autour de la table, une dizaine d'adhérents. Une réunion pas vraiment improvisée, car les ténors du FN pays veulent afficher une image multicolore. On a une photo de groupe que je pourrais vous montrer, sur lequel il y a des musulmans, sur lequel il y a des tamouls, sur lequel il y a des indiens de toutes sortes, il y a un juif. Des réunionnais de tous horizons, toutes races confondues, tous acquis à la cause du FN, une confiance aveugle et même pour certains, sans avoir lu le programme. C'est la seule candidate qui a un projet pour l'Outre-mer. Quelles idées, par exemple, vous avez retenues? Là, je n'ai pas regardé. Les réunionnais sont de plus en plus nombreux, mais ils n'osent pas se montrer. Ils préfèrent rester à l'ombre. Je sens le changement pour l'année 2012. Seules ces fameuses 500 signatures viennent troubler leur optimisme. Si elle n'y est pas, ben vraiment, on va croire que ça sera notre joie de deuil. Hein. Marine Le Pen, il s'est fait un carton présidentiel, ça je peux vous l'annoncer. Et je peux vous dire que maintenant, il y a de fortes chances que beaucoup vont vouloir se raccrocher au wagon. Hein. Et elle va faire un carton à la Réunion aussi, selon vous? Certainement. Vous serez étonné vous-même du score qu'elle va faire ici. Bonjour, Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. 21 avril 2002, presque un jour de fête nationale pour ces militants du FN. Ce jour-là, 4% des Réunionnais avaient dit oui à Jean-Marie Le Pen, 8% au second tour. 5 ans plus tard, le 6 mai 2007, il n'était plus que 5% à rêver de Marine présidente. D'où cette question, peut-on parler d'une montée en puissance du FN à La Réunion? C'est vraiment une petite minorité qui essaie de se chercher et qui essaie de trouver un bol d'oxygène par rapport à une expression personnelle. En période de crise, c'est le meilleur moment pour les partis un peu radicales, en rupture, fascistes et xénophobes, de monter au créneau et d'avoir l'oreille. Car le FN ratisse large. J'ai été invité à une petite réunion en ce qui concernait la venue de Madame Le Pen. D'après les statistiques, une grande partie de l'électorat local du FN se trouverait dans la station balnéaire de Saint-Gilles. Mais c'est toute la Réunion que le parti veut séduire, en agitant parfois le chiffon rouge de l'insécurité et de l'immigration. Même ici, à l'aéroport ou au port, il y a quand même des gens qui passent. Lorsque j'ouvre les journaux, la page des faits divers, je vois souvent des meurtres, des femmes qui sont agressées et même tuées, violées. Mais attendez, dans quel pays vivons-nous ? Avec cet épouvantail ultra-sécuritaire, en surfant parfois sur la question d'une immigration clandestine qui touche à peine la Réunion, le Front National veut faire croire en une explosion de son emprise dans notre île. Mais à chaque visite, sa propagande est stoppée net par les roulères des militants anti-FN.